Bonjour chers élèves, vous allez bien? Aujourd'hui, on a un texte de lecture. On va lire et comprendre un texte, un entretien écrit. Suivez-moi. Vous vous rappelez ce texte? Qui se rappelle ce qu'on a fait la semaine dernière avec ce texte? On a repéré les éléments du paratexte pour dégager son thème. Voilà les éléments du paratexte, le titre et les dessins. De quoi on va parler dans ce texte? Vous vous rappelez? On va parler de comment sauver la nature ou l'environnement en danger. Commençons maintenant par lire le titre. Entretien avec un écologiste. Que signifie le mot entretien? Entretien, c'est un dialogue. Ce sont des personnes qui parlent ensemble. Écologiste, c'est une personne spécialiste de l'écologie. Il défend la nature et la qualité de l'environnement. Donc, des gens qui parlent avec l'écologiste, qui sont ces gens-là? Regardons le texte. Lisez les mots écrits en caractère gras. Lisez ces mots. Très bien. Un élève. Il y a des parties qui débutent par le mot « un élève » écrit en caractère gras. Et il y a le mot « écologiste ». Il y a des parties qui débutent par le mot « écologiste ». Donc, il y a des élèves, un élève ou des élèves qui parlent avec l'écologiste. C'est une conversation entre les élèves et l'écologiste. Maintenant, regardons la partie élève. Elle se termine par quoi? La partie élève se termine par une phrase interrogative. Regardez le point d'interrogation à la fin. Toujours, la partie élève se termine par une phrase interrogative ou une question. Une question. Donc, les élèves posent des questions et l'écologiste répond. Les élèves posent des questions pendant l'entretien et l'écologiste répond. Maintenant, avant de lire le texte, on va découvrir des mots-clés qui vont nous aider à le comprendre. On va découvrir des mots-clés de compréhension. Commençons par le mot « écologie ». Que signifie le mot « écologie » ? Écologie, c'est une science qui étudie les liens entre les êtres vivants et les milieux naturels. Puis, le mot écosystème. Qu'est-ce qu'un écosystème? Écosystème, c'est comme une prairie, une mare, c'est un milieu naturel où vivent les êtres vivants. La destruction des écosystèmes, la destruction comme la pollution, les déchets ménagers, les déchets industriels, les déchets. L'air est pollué. La pollution de l'air qui est causée par les fumées des voitures et des usines. L'air est pollué. Agir vite. Faites des actions, agir vite pour sauver l'environnement, agir vite, sauver la terre, agir vite. La devise d'un écologiste.